Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, notre invitée sera de choc et de charme. Il s'agit de Jade Joron, la future égérie du MMA Grand Prix. Elle sera avec nous en visio. Également à mes côtés, Lionel Brézefin, le CTN de la Fédération Française de MMA, qui sera avec nous pour réagir à l'actualité du MMA français. Et puis, comme d'habitude, mon acolyte Sébastien Love. C'est parti pour les news. Salut! Alors, tu étais à la Supreme League ce week-end? J'étais à la Supreme League, oui. Donc, ça, c'était à Aubervilliers, à l'Embarcadère. Encore une édition incroyable pour ce tournoi amateur. C'est le quatrième round donc, de la Supreme League. Tournoi amateur qui opposait, donc, il y avait six équipes. Hein, la Cage Belgique était opposée au Chaos Squad, la Snake Team à la H Academy et la Old School Academy au Platinum. Une ambiance incroyable. Des combats de qualité. C'est vraiment. À chaque fois que je speak un tournoi amateur, je suis surpris par la qualité des amateurs qui n'ont rien à envier à certains professionnels. Je tiens à le dire parce que j'ai été bluffé par le niveau des combattants. La Old School fait carton plein, 8-0. Ça fait deux fois qu'ils font 8-0, ils sont énormes. Très bel affrontement entre la Hatch Academy et la Snake Team. Et puis l'équipe belge. Attention l'équipe belge, la cage Belgique est très 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 forte. Donc ils sont qualifiés tous pour le prochain round qui aura lieu le 10 juin. Alors là, on sera au demi-finale ou pas encore? Oui, on sera au demi-finale, puisque après le final round, c'est le 1er juillet. D'accord, donc voilà. On va retrouver quelles équipes en demi-finale? Pour le moment, on a la Old School, la H Academy et la Cage Belgique. D'accord, et donc le prochain, on attend sur les autres équipes. Donc là, ça se joue vraiment, je verrais bien une petite finale, sans dénigrer les autres équipes. Attention, entre la H Academy et la Old School, ça risque. Ouais, Alors la Old School, on va en reparler justement de la Old School tout à l'heure, parce que le MMAGP va leur faire la part belle également. Puisqu'on parle de MMA amateur, ça y est, on connaît la date du championnat de France amateur. Oui, ça se tiendra à Évry et ça sera le 8 et 9 juillet. Donc soyez présents, les championnats de France amateur, c'est toujours également une belle surprise parce que c'est les pépites de demain. J'avais eu la chance de speaker il y a deux ans, je crois, ou un an, enfin bon bref. Et vraiment là, on voit ce qu'on va voir chez les professionnels, ce qu'on va voir dans les grandes compétitions amateurs. Donc c'est génial, allez-y pour vous y rendre, c'est à Évry, c'est proche de Paris. Et ceux qui ne sont pas de Paris, venez. Et petit détail, tu as dit invité de choc et de charme. Tu as parlé de Jade, mais tu n'as pas parlé de Lionel. Et Lionel, qui est justement là pour nous parler du championnat de France. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire au championnat de France? Qui peut s'inscrire? Il suffit de participer aux étapes MMA League qui sont proposées depuis décembre. Et à l'issue de ça, les 8 premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour les championnats de France. D'accord, donc il y a un système de ranking. On accumule des points et donc on peut participer à toutes les MMA League, quelle que soit la ville. Si on est d'Île-de-France, par exemple, on peut très bien aller à Clermont-Ferrand. Tout à fait. Quelle que soit la région de résidence, on peut faire toutes les étapes MMA League qui sont proposées au calendrier. Il reste encore deux étapes. Clermont ce week-end et Miramas dans deux semaines. Et à l'issue de ça, on obtient des points en fonction du nombre de combats gagnés et de la place sur le podium. D'accord. Donc pour gagner sa place, il faut être dans la course aux points les deux prochaines semaines. Si on n'a pas commencé en décembre, ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour ceux qui seraient sur les places un petit peu 9, 10, 11, il y a encore des points à aller chercher pour se qualifier. Ouais. Alors l'idée d'avoir autant de volume en termes de compétition, parce que là, on peut carrément aller chercher des 10, 20 combats par saison à ce rythme-là. L'idée, c'est quoi à terme? L'idée, ça va être l'élément de structuration pour la reconnaissance du haut niveau, parce qu'en fait, c'est aussi ce qu'on recherche, c'est avoir des compétiteurs qui puissent avoir une sécurité aussi financière et un double projet, c'est-à-dire l'école et le sport à côté, et c'est d'avoir les meilleurs Français qui puissent évoluer, notamment sur les compétitions de la Fédération internationale IMAF, avec championnat d'Europe et championnat du monde. Et également un autre coup de tonnerre qui a frappé le MMA français, un champion est tombé cette semaine. Eh oui, Damien Lapillus, donc le pensionnaire de l'ARES qui vient d'être suspendu 3 ans par l'AFLD. Alors, pensionnaire, mais champion aussi. Et champion, en plus, il y avait la ceinture des moins de 66, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça, je ne sais plus. Bref, il avait la ceinture et il allait combattre pour une autre ceinture d'ailleurs, c'était prévu, il voulait deux ceintures de l'organisation. Bref, il y a la Transpire, enfin Maître Fumier, célèbre sur les réseaux, nous avait déjà alerté, enfin avait alerté du coup sur cette suspicion de dopage parce qu'il s'était pas présenté, il avait déjà été suspecté, bref, ça avait été de tourner de façon
humoristique, même si pour l'intéressé, c'est peut-être pas forcément très drôle, mais en tout cas, ça taquinait. Ils en avaient parlé, ils étaient en avance, et là, bah, force est de constater qu'ils ont eu raison, puisque Damien Lapuy s'est fait suspendre pour 3 ans, donc suite à un taux élevé de salbutamol, donc qui est, alors, on connaît plus la ventoline, donc c'est la ventoline, c'est du salbutamol. Il faut savoir que le salbutamol, à la base, c'est un médicament bronchodilatateur. Donc, il lutte contre la contraction anormale des muscles de la paroi des bronches pour prévenir de l'asthme, pour prévenir des bronchites à répétition, des bronchites aiguës ou de l'asthme d'effort. Mais, alors j'ai contacté deux médecins, hein, je parle, c'est vraiment, j'ai les éléments, c'est médical. La question qui revient et que j'ai vue sur les réseaux, c'est est-ce que la ventoline est un produit dopant ? Oui. Mais sur certaines conditions, bien évidemment, c'est un stimulant donc, de l'appareil respiratoire et c'est un anabolisant à certaines doses, donc à très fortes doses. C'est-à-dire que le produit augmente la masse musculaire et diminue la graisse corporelle. Donc oui, à dose supérieure d'une posologie médicale qu'un médecin vous a donnée, c'est un produit dopant. Et non, ce n'est pas un produit dopant si le sportif respecte son protocole qui a été mis en place par son médecin. Et je prends l'exemple, par exemple, du Tour de France, où c'est quand même le premier sport où ils sont tous asthmatiques. Alors, bizarrement, voilà. Mais donc, ce médecin qui travaille également dans le cyclisme m'a expliqué, avant une étape du Tour, quelqu'un qui a un asthme d'effort, il peut prendre de la ventoline, 2 bouffées de ventoline avant l'effort. L'effet de la ventoline est très rapide, hein, c'est 4 à 6 heures maximum. Il peut en prendre une bouffée pendant l'effort, si l'effort excède 4 heures, bien évidemment, et une autre bouffée à l'arrivée, puisqu'il faut savoir que pour éviter la crise d'asthme, après un effort brutal, on prend une bouffée de ventoline, ce qui fait 4 bouffées sur un asthme d'effort de professionnels qui font le Tour de France. Et il m'a clairement dit que la dose quotidienne ne doit habituellement pas dépasser 15 bouffées par 24 heures. J'ai cru, en tout cas de ce qu'a dit Damien Lapillus, qu'il pouvait aller jusqu'à 30 bouffées. À un moment, il le dit dans une interview. Alors, je ne sais pas si c'est pour dire que, mais oui, je peux en prendre 30. Est-ce que c'était lancé un peu à la cantonade ? Faut savoir que au-delà de 15 bouffées, c'est du dopage. Et c'est très dangereux pour la santé, puisque le risque principal est le risque cardiaque. Accélération du rythme cardiaque, trouble cardiaque. Bref, voilà, on ne joue pas avec sa santé. Donc oui, dans certains cas, la ventoline est un produit dopant. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment il a pu continuer à combattre après avoir été testé positif au contrôle antidopage. Il n'a pas été... Le test positif, il émane de la commission de sanction de la FLD. Et c'est la commission de sanction qui a communiqué justement l'information cette semaine. C'est-à-dire qu'il n'a pas été déclaré comme étant positif sur les éditions précédentes, en fait. Mais il avait échoué à ce test il y a déjà un bon bout de temps, en fait. Donc comment ça se fait qu'on le laisse combattre avec une suspicion aussi importante ? Il n'échoue pas au test. La seule chose qui peut empêcher un athlète de combattre, c'est s'il a une suspension prononcée par la FLD. D'accord. La suspension, elle aurait été prononcée là, cette semaine, par la commission de sanction. Mais avant ça, c'est pas parce qu'il y a des procès-verbaux, c'est pas parce que, par exemple, il y a une investigation de la FLD que l'athlète est suspendu, quelle D'accord. que soit la discipline. Oui, il y a enquête avant, finalement. C'est ça. Voilà, il y a enquête, il y a audition de l'intéressé. Donc, ouais. Il y a aussi confrontation entre le médecin de l'intéressé et puis des services de la FLD. Et c'est à l'issue de ça, donc au cours de ces auditions, que se réunit une commission à la FLD qui va déterminer s'il y a une sanction et la lourdeur de la sanction. Alors, cette affaire, elle a suscité de vives réactions, notamment sur la lourdeur de la sanction. Aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on est pris pour dopage, il me semble que c'est tourné en non-contest. Là, en l'occurrence, c'est devenu... des défaites, donc toutes ces victoires ont été transformées en défaites. Comment on explique la différence de traitement entre les États-Unis et ici ? Alors aux États-Unis, le dopage n'est pas du tout traité de la même manière. Il faut savoir qu'il y a une agence internationale qui s'appelle l'AMA, qui est l'agence mondiale antidopage, et les pays choisissent d'être signataires ou non de l'AMA. La FLD, qui est donc l'organe pour la France, est signataire de l'AMA. L'USADA, qui est aux États-Unis, n'est pas signataire de l'AMA. Donc en fait,
La FLD va suivre les préconisations de l'AMA. Il est stipulé, et conformément au code du sport, que lorsque quelqu'un est déclaré positif, il perd ses titres, ses records, etc. Au même titre que si Lance Armstrong, quand il a été déclaré positif sur le Tour de France, il a perdu tous ses Tours de France. On a un athlète français qui avait participé aux Jeux Olympiques, qui était à la quatrième place des Jeux. Le troisième a été déclaré positif plusieurs années après, il a récupéré la médaille de bronze, c'était en lutte. D'accord. Donc cet effet comme ça rétroactif sur les performances établies durant la durée évoquée, puisqu'en fait la FLD a dit que les résultats sont à valider à partir de telle date, début d'instruction en général, et ça conduit justement à l'annulation des records. Alors Mickaël, il y a eu même, je me souviens de Nesta Carter au 4x100 mètres qui a été donc contrôlé positif, ils ont retiré les médailles du Sandbolt, de Powell et je ne sais plus quel autre coureur, à cause de Carter. Donc c'est aussi, l'USADA tape très fort, on dit qu'ils sont un peu plus conciliants, mais ils ont retiré les Tours de France, hein, Marion Jones pareil, enfin, dans tous les cas. Là, qu'on retire les victoires, si, attention, parce que finalement, il est suspendu, mais on ne sait pas s'il est dopé. Moi, je ne sais pas si Damien Lépius est dopé, hein, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, qu'on lui retire ou qu'on mette en eau, qu'on teste. Franchement, pour moi, ça ne change rien. Alors, il y a quand même une incohérence qui a été relevée par Mickaël Lebout dans le Mika & App Show. Il disait qu'en fait, le cas de Mehdi Dakaev, qui avait été dans la même situation, qui n'avait pas voulu se présenter au contrôle antidopage, avait pu combattre par la suite. Et lui, on ne lui avait pas retiré sa victoire, apparemment, après son combat. C'est ce que je dis, il y a une confusion. C'est-à-dire que c'est une instruction. C'est-à-dire qu'il va y avoir les prélèvements. À l'issue des prélèvements et à l'analyse de ces prélèvements, il y a une demande d'éclaircissement demandée par la FLD. C'est là que la FLD va demander audition avec l'athlète. L'athlète peut venir ou pas, c'est ce qu'on appelle un no-show, il ne vient pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un no-show que tu as une sanction. La sanction, elle va intervenir à l'issue de la commission de sanction, qui dit, au regard des éléments suivants, vous êtes suspendu tant de temps. Et là, il y a un élément qui est téléchargeable sur le site de la FLD avec les sanctions prononcées par la FLD. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un no-show qu'il y a forcément sanction. C'est deux choses différentes. Non, mais par contre, son combat d'après, lui, n'a pas été transformé en défaite. Ce qui, apparemment, pour Damien Lapillus, a été le cas. Lui, tout a été transformé en défaite. Mais est-ce qu'il y a eu une sanction? Est-ce que la FLD a prononcé une sanction de suspension de l'athlète? Non, il n'a pas été... C'est ça. En fait, c'est à partir du moment où l'athlète est déclaré positif, il est déclaré dopé, et qu'il y a commission de sanction dit que, justement, il est positif, à ce moment-là, la sanction, outre le fait de ne plus combattre, etc., c'est aussi d'annuler les records précédents. Mais ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas présenté à un événement ou qu'il était absent lorsque l'équipe de préleveurs est venue que forcément tu es suspendu. C'est deux choses différentes, en fait. Ça peut alourdir une sanction, le fait de ne pas se présenter ? C'est des commissions qui ont besoin d'éléments scientifiques pour pouvoir prononcer une sanction. Et c'est vrai que l'absence de si tu ne présentes pas d'éléments, effectivement, ça peut nuire au résultat de la commission. Ouais. Allez, dernière question, parce que le temps tourne malheureusement. Est-ce qu'il pourra encore combattre dans un autre pays, Damien Lapillus ? Ça dépendra des pays signataires et de leur politique. Il y a des pays qui, effectivement, ne sont pas forcément rattachés à l'AMA, ou il y a des pays pour lesquels ils ne vont pas forcément regarder non plus si l'athlète est suspendu dans son pays d'origine. Donc ça dépendra des organisations et des pays. Pas besoin de Ventoline, en tout cas pour Nicolas Hotte et François Maubert, qui proposent une formation ô combien utile pour tout combattant qui veut durer dans le temps. Oui, alors ça va se passer donc le 3 et 4 juin à l'Aqua Boulevard, dans le 15e arrondissement à Paris. Donc c'est avec Nicolas Hotte, entraîneur de l'équipe de France de MMA amateur, et François Maubert, kiné aussi de l'équipe de France. Kiné des équipes de France, tout à fait. Donc c'est une formation sur la gestion de la récupération et des blessures dans les sports de combat. Autant vous dire que c'est un concentré d'expérience et de science du sport. Donc c'est 549 € les deux jours. Allez-y si vous avez vraiment l'occasion, parce que c'est très intéressant, avec en plus deux intervenants de choix, hein, que sont Nicolas Hotte et François Maubert. Le samedi, gestion de la récupération, gestion de la charge d'entraînement, gestion de la nutrition, gestion des outils complémentaires, cryo, ventouse, sauna, etc. Et le dimanche, gestion des blessures, les blessures types pour chaque sport de combat, comment les soigner, comment les prévenir, l'échauffement type, les soins du terrain. Bref, un combo, hein, entre ce que disent les études scientifiques et la réalité du terrain. Aqua Boulevard, 3 et 4 juin, dans le 15e à Paris.
Allez, on va maintenant parler du MMA Grand Prix, cette organisation qui a révélé, en tout cas Cédric Doumbé, en tant que combattant MMA. On s'attendait à le voir à Bordeaux. Finalement, il a signé au PFL et c'est tant mieux pour lui. On a de beaux combats en perspective, très rapidement. On a de très très beaux combats. Donc le main event, hein, la ceinture pour le titre chez les moins de 77 entre Jason Poney et le Suisse Michael Dubois. On aura un autre combat pour la ceinture entre Alphand Rocher, hein, de la Old School Academy, et Deibi Tachon, ou Tachon, hein, je suis désolé, je sais pas comment on prononce son nom de famille, en tout cas c'est le titre. Le combat, bien évidemment, de la régionale de l'étape, Jade Joran, que l'on va voir tout à l'heure, qui combattra Laetitia Gallardo. Il y aura également Maria Casanova et Jennifer Trioro. Donc le combat également, l'atout charme de ce... De casting glamour. Comme tout, voilà, glamour, voilà. J'allais dire, je faisais un peu référence aussi à Lionel, hein, parce que je me sens un petit peu piqué quand tu as dit... et puis voilà, donc, Michael Aljarouge qui combattra non pas pour la ceinture, mais contre Jafar Ali. Bref, une édition encore incroyable à Bordeaux, 8500 places à l'Arkéa à Bordeaux, il faut être présent. Venez, ça va être du très, très, très lourd. Alors justement, Michael Aljarouge et Alphand Rocher sont un petit peu les ambassadeurs du MMA Grand Prix. On les a vus et revus, on les suit avec assiduité au sein de cette organisation. La Old School Academy, c'est une écurie qui fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps, de par ses résultats probants forcément. On leur a donc rendu une petite visite afin de comprendre leur secret de fabrique. Bienvenue à Villecresnes, bienvenue dans l'antre de la bête. Projecteur sur ce nouveau club d'élite, la Old School Academy, devenue en quelques années l'un des principaux viviers de talent du MMA français. Et c'est dans ce dojo vétuste de Villecresnes que l'école de formation a pris forme sous l'impulsion d'un homme, Gaëtan Hurtel. À une petite minute encore. Si aujourd'hui il crée des champions, c'est parce qu'il tire sa motivation de son histoire personnelle. C'est un peu une manière pour moi d'accomplir des choses que je n'ai pas pu faire en tant qu'athlète sur le plan personnel. Et du coup, ce serait une grosse satisfaction de pouvoir les emmener au plus haut niveau. J'ai été un garçon comblé, épanoui dans ma pratique. Simplement, l'âge faisant son chemin, aujourd'hui à bientôt 40 ans, j'ai un petit peu de regret parfois à me dire que j'aurais pu faire plus. J'avais les compétences pour, il me semble. Et j'ai pas envie de rater une deuxième fois le coche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les compétences que j'avais en tant qu'athlète, je pense en avoir aujourd'hui en tant qu'entraîneur. Et je me dis, ce serait dommage de ne pas le mettre au profit de mes jeunes. C'est des gars qui sont capables de faire des grosses concessions, qui sont capables de faire des sacrifices de vie qui sont nécessaires à la performance et au niveau. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Une grosse détermination. Hein. Inverser ma garde pour récupérer le contrôle du corps et lui il va le décomposer sa défense. 1, 2, et c'est sur le deuxième temps là que je dois pouvoir proposer une solution. D'accord ? Dès que je sens que son bras il est en train de s'engager et que je tiens le contrôle du corps, voilà, ici. Derrière ce désir de revanche sur la vie et cette culture de l'excellence se cache un bourreau de travail qui ne prend aucune vacance. Et s'il accepte cette rançon, c'est pour une raison évidente. Parce que je les aime, tout simplement. Je les considère comme des membres de ma famille. Et quand on aime les gens, on souhaite leur apporter tout ce qu'on peut et le meilleur pour leur développement personnel. Le succès de cette salle n'est dû ni au clinquant de ses installations, ni à sa surface, mais bel et bien à l'aspect humain. Il me connaît depuis que je suis haut comme trois pommes. On a fait tellement de choses, lui et moi, qu'on en a fait des stages un peu partout. On a fait des stages à La Réunion, on se connaît, j'étais aux 18 ans de ses enfants. Enfin, on se voit vraiment régulièrement et tout. Du coup, c'est un peu un côté paternel que j'avais Gaëtan. Et je pense que je suis sûr que je finirai ma carrière ici, dans ce dojo qui est... Bah, tu sais, c'est bête, mais c'est tellement convivial que j'aime le MMA, mais j'aime aussi le MMA. Parce que je suis ici. L'histoire d'amour de Gaëtan et moi. Première rencontre, je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, je vais aller à l'UFC. Il m'a dit, tu vas commencer par te calmer déjà, viens à l'entraînement et fais ce que je te demande de faire. Et c'est tout ce que j'ai fait. Il me dit, fais ça, je le fais sans discuter, sans rien. C'est pour ça que je suis son soldat. Et notre relation s'est renforcée au fur et à mesure du temps. Je l'ai convaincu rapidement parce qu'il a vu ma détermination, il a vu mon rigueur dans l'entraînement et il m'a dit qu'on va y aller là où tu as envie.
Les week-ends de compétition s'enchaînent pour la Old School Academy et les résultats sont au rendez-vous. Mais l'échéance la plus importante aura lieu le 17 juin prochain au MMA GP de Bordeaux. Michael Aljarouge et Alphand Rocher en seront les têtes d'affiche. Si Michael est déjà le champion de cette organisation, Alphand, lui, tentera de marcher sur ses traces en ramenant une deuxième ceinture à la maison. Cela passera par un adversaire de taille, Davy Tachon. J'ai hâte d'y être, ça va être une très belle salle. J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de faire une belle guerre et de tout donner. Ouais, en plan de carrière, je pense que comme beaucoup de personnes, on pense au début à l'UFC, vu que c'est un petit peu près le Graal. Après, je ne suis pas fermé. Déjà, je sais que l'UFC, ça peut ne pas arriver et ne pas toquer à la porte. Mais après, ouais, une grosse ligue. Et puis après, moi, mon but, ce serait vraiment de vivre de ça et de me faire plaisir à affronter vraiment les meilleurs combattants sur le long terme et tout au long de ma carrière. Vu que, mine de rien, je suis encore jeune. J'ai 25 ans, là, donc ça me laisse encore pas mal d'années pour le haut niveau et aller le plus haut possible à arracher tous les mecs. L'heure est à la discipline. Les consignes de Gaëtan claquent comme un direct. D'ailleurs, ici, on le surnomme Général. Bras arrière, donc il avance sur ce boulet du bras avant, il rentre sa droite, et là, tout de suite, moi, je vais riposter avec... Cette fois-ci, Michael Aljarouge ne combattra pas pour défendre sa ceinture, mais il garde le cap. Le champion a les idées claires depuis le tout premier jour. J'ai pas envie d'être comme les autres. Ça, pour moi, ça sert à rien. Si j'ai commencé un truc, faut que je sois différent que les autres. Et déjà, être un combattant, c'est être différent, mais j'ai pas envie aussi être comme tous les combattants. Il faut que je marque mon nom. Quand les gens vont parler de Aljarouge, il faut qu'ils disent « Ok, lui, il est différent que les autres. » Certes, il y a un tel, mais Michael, c'est un monde à part. Et à quoi je suis prêt pour y arriver? Je suis prêt à mourir. C'est pas des paroles. Franchement, je suis prêt à mourir pour réaliser mon ambition. Un jour, Gaëtan, il m'a dit, tu préfères vivre riche et personne ne se rappelle de toi ou rester pauvre et tout le monde va se rappeler de ton nom. Et réellement, je préfère deuxième option. Rester pauvre ou tout le monde va se rappeler de mon nom, pour moi, c'est une très grande richesse. Michael, the soldier, Aljarouge. Grâce à des locomotives comme Michael et Alphand, l'usine à champion de Gaëtan Hurtel est en passe de devenir une institution. Désormais reconnue par les acteurs du MMA français, l'écurie souhaite planter son drapeau au sein des plus grandes organisations, à commencer par le MMA GP. Et aussi, au MMA Grand Prix, on aura Jade Joran, c'est elle la figure emblématique féminine de cet événement. C'est parti, c'est notre invitée Spotlight. Jade, tu es avec nous. Bonsoir, comment ça va? Ah, ça y est, je t'entends enfin. Jade, alors on va parler un petit peu de ta préparation, mais on va surtout aussi reparler de ton parcours, parce que c'est la première fois qu'on t'a dans MMA Extra Round. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu comment tu es arrivée dans les arts martiaux? J'ai commencé par le full contact à l'âge de 9 ans, parce que mes parents voulaient que je sache me défendre quand je suis rentrée au collège. Et après, 3 ans après, j'ai quand même eu 3 ans avant de faire mon premier combat et j'ai gagné. Et en fait, de fil en aiguille, à 15 ans, je suis rentrée en équipe de France, j'ai fait plein de combats internationaux et puis... Et tu as eu un palmarès assez flamboyant, me semble-t-il, en pied-point. Tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Oui, alors j'ai été championne du monde de K1 avec l'équipe de France, championne d'Europe de Muay Thai et j'ai gagné les championnats de France. Et ta carrière, elle a pris un tournant assez significatif en 2019 lorsque tu mets ce KO foudroyant à Sylvia Lanoté. Il s'agissait d'un combat en kickboxing au Bellator. Parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait cette formule un peu hybride du Bellator qui faisait à la fois du MMA, du kickboxing. Et donc, je me souviens très bien de cette combattante puisqu'elle était elle aussi en équipe de France de boxe. Donc, je vois très bien qui c'est. Ce jour-là, vraiment, tu as été étincelante et Scott Coker est tombé amoureux de toi, de ton charme en tout cas, en tant que combattante au sens sportif du terme. Et il t'a proposé ton premier contrat, en MMA au Bellator. Finalement, c'est presque tombé du ciel, le MMA pour toi, non? J'ai l'impression. C'était prévu, ça? C'était dans tes plans de faire du MMA? Alors, effectivement, c'était déjà dans mes plans. J'avais déjà commencé à m'entraîner un peu en MMA, mais j'étais quand même focalisée sur le pied-point. Et après ce combat, quand ils m'ont offert du coup ce contrat, j'ai directement abandonné entre guillemets le pied-point pour me lancer à fond dans le MMA. Tu t'es pas posé de questions? Tu t'es pas dit je vais jouer sur les deux tableaux?
Non, parce que pour moi, je ne peux pas m'entraîner à fond dans les deux disciplines. C'est tellement complet et c'est tellement différent du pied-point que je pouvais pas me... je voulais vraiment me consacrer à fond à MMA, donc j'ai préféré laisser tomber le pied-point. Et passer du ring à la cage, ça n'a pas été trop compliqué en termes de gestion d'espace ou même de sensation? Non, c'est encore mieux. Moi, j'adore. Franchement, c'est... je trouve ça mieux. Il n'y a pas de coin. Non, moi, je préfère. Je préfère la cage. Mais pourquoi, tu vois, tu fais une entrée chez les pros fracassante, c'est-à-dire tu mets KO Sylvia Lanoté, qui a quand même 4 titres mondiaux. Je me dis, mais c'est ton premier combat pro en pied-point. Pourquoi tu restes pas encore un peu dans le pied-point, sachant que t'es jeune, tu vois, encore 2-3 ans pour aller choper des titres mondiaux, des ceintures, et après te mettre au MMA. Quand tu fais une performance comme ça, en Italie, bim, sur un high kick magnifique. Je me dis, mais pourquoi elle passe tout de suite au MMA? Pourquoi elle continue pas un petit peu en pied-point? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Ben, en fait, je me suis pas dit grand-chose. Avant le combat, on avait déjà commencé à discuter avec les personnes du Bellator, si je faisais une belle prestation, peut-être que j'aurais un contrat. Si... parce qu'ils savaient que j'avais déjà commencé à m'entraîner en MMA et je leur avais dit, je veux un contrat en MMA. Et du coup, quand j'ai gagné, pour moi, c'était bon, ben voilà, nickel, j'arrête le pied-point, je passe au MMA. Je ne me suis pas posé de questions. Pour moi, c'était vraiment le MMA. Okay. Et alors toi, du coup, tu es passé tout de suite en professionnel. Tu n'as pas fait tes classes en amateur. Du coup, les débuts ont été un peu compliqués. Avec un peu de recul, comment tu l'analyses ça? Pourquoi ça a été difficile au début? J'ai fait mon premier combat à pro MMA avec 6 mois de MMA. Je m'étais luxé l'épaule 3 semaines avant le combat. Bon, voilà, c'était pas les meilleures conditions, on va dire. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai perdu, mais j'ai beaucoup appris de ce combat. Et finalement, pour moi, tout arrive pour quelque chose. Donc, je regrette pas du tout ce que j'ai fait, parce que si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Donc, non, effectivement, oui, j'ai perdu. Ça aurait été mieux de gagner. Mais j'ai beaucoup changé ma façon de m'entraîner, ma façon de voir les choses depuis cette défaite. Et finalement, j'en rapporte que des bonnes choses. Alors, justement, on va en parler parce qu'au départ, tu t'es initié au SBG avec Azaël Adjouj, mais tu n'as pas continué là-bas. Pour quelle raison? Alors, j'avais déjà commencé un peu le MMA au Verdoum, hein, à Bordeaux, avant de partir au SBG. D'accord. Et partir au SBG, c'est un très bon club. Il y a plein de champions. C'est vraiment un très, très, très bon club. Mais moi, j'ai besoin d'encadrement. J'ai besoin que mes coachs soient avec moi, qui me disent quoi faire, qui vraiment s'occupent de moi. Et là-bas, je n'avais pas ça. Je ne retrouvais pas ça. Donc, et c'est ce que j'ai trouvé d'ailleurs à Bordeaux avec mes coachs, Ismaël Padavia et José Data. Donc c'est pour ça. Maintenant, à Bordeaux, j'ai mes partenaires d'entraînement, j'ai mon sparring partner, donc Thomas Glo, Guillaume Vless. J'ai vraiment tout le monde qui m'entoure et c'est ce que je recherche. Et ça t'a bien réussi parce que désormais tu as un nouveau terrain de jeu qui est le Combatté Global, l'organisation au sein de laquelle tu brilles énormément en ce moment et qui t'a permis de prendre confiance, j'ai l'impression. Oui, je suis vraiment très très fière d'avoir signé là-bas. C'est un peu arrivé comme ça, ils m'ont contacté un jour et puis franchement, je suis vraiment très très contente, c'est une super organisation et je m'y plais vraiment. Et alors en plus, le Combatté Global, c'est particulier parce que tu combats à huis clos dans des studios de télévision en fait, donc il n'y a pas forcément cette atmosphère avec le public, etc., mais il y a quand même ce côté show. Oui, non, mais c'est complètement le show, hein. C'est vraiment comme un studio comme on voit dans les films. Puis même maintenant, il y a un peu de public, donc il y a du bruit, il y a la musique. Franchement, moi, je vois pas vraiment la différence en pied-point. Je combattais avec du public, là, il n'y en a pas. J'entends mieux mes coachs, alors franchement, c'est un point positif, hein, du coup, qui est pas... ça dérange pas. Et ça, alors, peut-être une question un peu limitée, un peu bébête, mais sachant que Combatté Global, effectivement, il y a très peu de public, c'est du studio. Là, 8500 personnes, chez toi, à Bordeaux, est-ce que ça rajoute pas une petite pression supplémentaire? Aucune. Non, quand je combattais en pied-point, on les voit pas, on ne voit pas le public. Oui. Une fois qu'on est dedans, mais tu l'entends. Lumière. Alors, pour revenir sur ta dernière performance, après on parlera complètement du MMAGP. Ta dernière performance en date, c'était en mars dernier face à Irène Gabello, une ancienne combattante du TUF, donc la télé-réalité de l'UFC, et tu l'as ultra dominée. Est-ce que tu as l'impression d'avoir passé un cap? Je
pense avoir passé un cap, effectivement, parce que bah, ce combat, je l'attendais vraiment. Ce combat, il fallait que je le gagne, absolument. Ouais. Et puis, elle est expérimentée, donc c'est un vrai message là, que tu as envoyé au monde. Hein. Oui, et justement, c'était important pour moi, parce que je savais tout ce qu'elle avait fait, elle a combattu partout, et elle est vraiment complète, et du coup, oui, c'est vraiment très contente d'avoir gagné ce combat, et oui, je pense que j'ai passé un cap avec ce combat. Et j'ai l'impression que la réussite, elle s'explique, un, par le travail acharné dont tu fais preuve, mais il y a aussi une notion de timing, c'est-à-dire qu'il faut être parfois là au bon moment. Et j'ai l'impression que tu as été là au bon moment avec le combatté global par rapport à l'émergence du MMA francophone aussi. Tu as été capable de saisir les opportunités. Et est-ce que toi, tu le ressens comme ça, que tu as été au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes? Ah ben c'est certain, hein. J'ai été la première française à signer au combatté global et m'ont toujours dit... Et dès que j'ai signé, après, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'autres combattantes d'Europe qui sont arrivées. Mais j'ai été l'une des premières. Et effectivement, oui, ils m'ont appelé au bon moment, entre guillemets. Il y a une autre Française qui brille à combatté global et qui a beaucoup de mal à trouver des adversaires, c'est Claire Lopez. Vous pourriez vous rencontrer ou vous êtes dans des catégories complètement différentes? C'est quelque chose qui pourrait arriver à terme? On est dans la même catégorie, effectivement. On est dans la même catégorie. Après, moi, c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de catchweight. À 50 kilos, elle combat à 52 et 48, mais oui, on est dans la même catégorie. Donc c'est quelque chose qui pourrait arriver sur le long terme? Ben, peut-être, ça, c'est pas moi qui décide, c'est combatté global qui fait les... Alors là, quel contrat tu as avec eux? Il te reste combien de combats? Alors là, actuellement, je viens de re-signer un contrat avec combatté global. Mon contrat s'est terminé en mai et on était en négociation, mais là, ça y est, j'ai signé un nouveau contrat avec eux de 5 combats. D'accord. Et donc, en parallèle, ils ont cette flexibilité. Ils te laissent partir combattre en France sur ton territoire avec MMAGP. Comment ça s'est articulé tout ça? Tu as dû demander l'autorisation? Comment ça se joue, ce genre de négo? Alors non, ils ne laissent pas combattre. Là, c'est vraiment exceptionnel parce que je viens de signer un nouveau contrat et que je leur ai dit que voilà, c'était dans ma ville natale, à Bordeaux. Je devais combattre en décembre, ça a été annulé. Ils avaient déjà accepté une fois, donc... entre guillemets, je leur ai dit, ouais, vous avez accepté en décembre, s'il vous plaît, réacceptez maintenant. Et ils ont compris et du coup, ils m'ont laissé exceptionnellement combattre. D'accord, donc ce serait un one shot, a priori. Oui. D'accord. Ton adversaire, ce sera Laetitia Gallardo. Vous vous connaissez? Alors, on ne se connaît pas personnellement, juste des réseaux sociaux. D'accord, et à quoi tu t'attends? Quel type d'adversaire c'est? Alors, c'est une guerrière. Je pense que ça va être un très, très bon combat parce qu'elle lâche pas l'affaire. Donc, j'ai vraiment hâte. Elle reste sur deux défaites, là, Laetitia Gallardo. La dernière, c'est au GFA, là, à Nîmes. Elle vient du Cobra Kai Perpignan. Mais c'est une guerrière. On s'arrête d'ailleurs. Une belle guerre, ouais. Alors, dernière question. Comment tu aimerais voir évoluer ta carrière là, dans l'année qui vient et les prochaines années même? Qu'est-ce que tu aimerais? Quel serait le scénario idéal pour toi? Bah, bien sûr, le scénario idéal, bah, gagner tous mes prochains combats. Je vais les gagner et continuer à combattre dans les plus grosses organisations mondiales aux États-Unis. Il y en a une qui te ferait plus rêver qu'une autre? Pour le moment, je suis bien au combatté global. Après, on verra dans l'avenir. Mais pour le moment, continuer à grimper les échelons au combatté global, ça serait déjà très bien. Ouais, c'est très bien. Je pense que c'est le bon état d'esprit, oui, d'ailleurs. Oui. Alors... Merci beaucoup, Jade. On te souhaite bon courage pour ton combat. Bonne fin de préparation. Et on te retrouve donc le 17 juin à Bordeaux. Au revoir. Bonne soirée à toi. Ça donc, serait un beau combat, Claire, Jeanne. Ah, ce serait quelque chose. Donc, si vous n'avez pas encore pris votre ticket, dépêchez-vous parce que ça part très vite. Voici la bande-annonce du MMA Grand Prix. Le 17 juin.
Et on espère encore de belles surprises à partir de septembre prochain pour le MMAGP. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Belle soirée à vous. Et puis surtout, à nous, à vous aussi. Rejoignez-nous donc la semaine prochaine pour toujours plus d'invités d'exception. Même heure, même chaîne, la semaine prochaine. Bye.